Yo les gars, c'est Ancien, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Si vous entendez mon chien aboyer, c'est normal, il fait sa star, il a envie de passer dans ma vidéo. Et là, il est en train de dire abonnez-vous à NSQ et mettez le code créateur. Il est en train de me dire ça là, j'entends. Du coup, c'est parti pour la petite vidéo défi. Tous les défis sont sur ma chaîne YouTube dans l'onglet vidéo, les gars. Vous scrollez un petit peu. Je crois que c'est dans le désordre, mais si vous voulez dans l'ordre des défis qui sont bien triés, c'est dans ma playlist Quête Fortnite chapitre 4. Donc aujourd'hui, on va faire ce défi-là, la distance en moto tout-terrain. Vous voyez que je suis déjà à l'étape 5 parce que je voulais vous montrer combien il fallait faire de mètres au maximum. Donc c'est 12 000 mètres le maximum, l'étape 5. Donc on va lancer la game. Je vais vous montrer le meilleur spawn pour les motos. Et on n'oublie pas le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Ça me soutient énormément, c'est gratuit, vous ne perdez rien. Et puis si vous achetez le pass de combat, ça me soutient. Et si vous avez déjà le pass de combat, malheureusement, essayez d'acheter un petit skin, les gars, pour me soutenir. Je sais pas, moi, celui-là, il est magnifique. Donc c'est parti, je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça que j'ai pas encore mes skins. C'est mon compte principal qui a déjà fini tous les défis. Parce que je connais les défis, donc comme ça, je les fais en même temps que vous. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer, les gars, le meilleur spawn de moto. Au spawn où on va aller, il y a 5 motos. C'est l'un des meilleurs spawns parce que d'habitude dans chaque maison t'as peut-être une moto, mais sauf que avec une seule moto les gars, ben vous savez les motos ne spawnent pas à 100%. C'est-à-dire que c'est comme les coffres, les motos, il y a une chance sur deux qu'elles spawnent. Donc si vous n'avez pas de chance, elle apparaît pas. Donc c'est pour ça, pour trouver des motos, je vais vous montrer le meilleur emplacement. Et puis même si vous voulez pas faire le défi, juste avoir des motos pour vous amuser avec vos amis, je vais vous montrer le meilleur endroit. Non, je suis tombé. C'est pas grave. Hop. What? Non. Je suis dans un glitch infini. What the fuck? Oui. Je suis où là? What? Je suis sur la map? Attends. J'étais sur la map, les gars? Je crois que j'étais sur la map. Non, il y avait un bus de combat, de ravitaillement, de soins là. Merde, j'ai sauté. Ah mais c'est pas grave, c'est là. Il y avait un... What the fuck? Je crois que j'étais dans la map Fortnite. J'avais fait un glitch. Et bah c'était très stylé. Si quelqu'un sait où est-ce que j'étais, marquez-le en commentaire parce que j'ai pas reconnu la ville. Mais il y avait un bus de comment ça s'appelle? De revigorement. J'ai un trou de mémoire. Donc c'est parti. On a beaucoup parlé, donc l'endroit c'est juste là, à gauche de la citadelle, la maison en L, les gars. Dans cette maison, il y a 4 motos. 4 motos, c'est incroyable. Donc la première moto est juste là. Bon, là j'ai eu une chance sur deux, donc elle a pas spawn. La deuxième moto est juste là. Une chance sur deux, pareil, j'ai pas eu de chance. La troisième juste là, là j'ai eu de la chance, elle a spawn. Et la quatrième juste là. Je vais vous montrer un cinquième emplacement quand même. Si jamais vous avez pas de chance, les 4 ne spawnent pas. Et ça m'est déjà arrivé en plus. Les gars, vraiment. Ça m'est déjà arrivé, les 4 motos n'avaient pas spawn. La cinquième elle est juste là. Pareil, la cinquième n'avait pas spawn dans mon autre partie. Donc des fois tu vois, tu peux ne pas avoir de chance. Là par exemple j'en ai eu 3 sur 5, donc c'est un très bon ratio. Et je vais vous montrer la sixième, parce que jamais 5 sans 6. Hop, c'est parti. Donc la cinquième elle est un petit peu plus loin. Je vais vous la montrer, elle est juste là. Parfait. Comme ça si jamais... Vous l'avez pas sur les 5 premières motos. Bon, faut vraiment pas de chance, hein, les gars. Parce que vraiment, je vous ai montré le meilleur spawn où il y a 5 motos. Si vous en avez aucune, c'est vraiment que vous êtes pas de chance, hein. Et voilà la sixième moto. On va la prendre. Et donc, pour rouler les mètres, vous faites comme ça. Et moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'être sur la route parce que ça roule beaucoup mieux. Ça roule beaucoup mieux. Et vous longez. Oui, vous longez toute la map. Et au lieu de rouler au milieu de la route, essayez toujours de rouler en extérieur de la route, comme ça, regardez. Hop. Voilà, comme ça vous faites plus de mètres, regardez. Quand ça courbe, hop, là vous changez de sens. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, ça permet de, bah, de gagner des mètres, quoi. Même nous on est des rats ici. Donc regardez, hop, je longe les mètres, je longe comme ça, regardez, hop, 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 je longe la route. Et c'est magnifique. Là il y a un bot, hop, on va le tuer à la pioche. Aïe! Oh non, il nous a tué le bot! Bon après j'étais à la pioche. De toute façon les gars, à chaque fois qu'on finit un défi, il faut quitter. Sauf si vous voulez finir la game, mais moi je quitte à chaque fois. Donc c'est bon. J'espère que vous avez bien kiffé le spawn que je vous ai montré, c'est le meilleur. Et on n'oublie pas le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Allez, ciao!